Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, donc qui est une box, une family box de chez Sotrentou, donc intitulée Baby Love. Donc c'est une box à 19,90€ qui contient plus de 106€ de produits normalement dans la box. Donc on va l'unboxer ensemble. Donc tout d'abord, on va prendre le premier produit. Donc c'est le mot Love. Confectionné à la main, donc c'est une décoration murale, pardon, et donc c'est en fil de fer, je dirais. Voilà. Et donc il est estimé, donc c'est la marque Décofemin, il est estimé à 35€. Donc déjà, on a rentabilisé le prix de la box, même si je trouve que c'est un petit peu surévalué. Ensuite, on a ce produit-là de la marque My Baby Factory, donc qui est une paire de petits chaussons de la marque James. C'est de la gamme James, décidément. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est des 6-12 mois. Voilà. Et donc, qui est estimé. Donc, c'est un produit 100% éco-friendly qui est censé tenir à la cheville. Donc, ça, faudra voir sur ma filleule. Et donc, ça coûte, c'est estimé à 15€ sur le site de Baby Factory. Et normalement, on a un petit papier pour dire que c'est la collection James. Ensuite, on a un produit. C'est celui-ci, j'essaie de les prendre dans l'ordre du menu. Donc, celui-ci. C'est une huile sèche. Alors, avec le reflet, on verra pas. C'est le bébé. Et c'est de chez Jacadi. Donc, il est estimé à 14€. Et à 30 000. Donc, on a un flacon de 30 ml. Donc, c'est une huile pour le multi-soin pour bébé. Voilà. Ensuite, on arrive bientôt à la fin des produits de la. Enfin, non, pas tout à fait en vrai. On a ce produit-là de la marque MAM. Donc, c'est un biberon Easy Start. Donc, il est censé être anticolique. Et qui est au prix de 4,20€ dans le commerce. Voilà. Poursuivons. Qu'est-ce qu'on va prendre comme produit? Essayer de les prendre dans l'ordre. Donc, il y a un produit, j'essaie de le trouver sur la marque sur le site Bonton, mais je ne le trouve pas. Donc c'est celui-ci. Donc sur le site de Sotrendou, il est marqué à 6€. Et donc on a un gel lavant de 50 ml. Voilà. Pour bébé. Et ça aurait été visiblement un produit médaillé en 2018. Ensuite, on a une peluche. Où est-elle? Une peluche, donc c'est un petit lapin de la marque Moulin Rôti. Donc voilà. Il fait 16 cm. Il est fabriqué en France et il est aux normes conforme à la norme CE. Donc voilà. Et est estimé à 6,90€ dans le commerce. Alors, on arrive aux trois derniers produits de la box. On a tout d'abord un produit. Donc, le Saint-Gervais Mont-Blanc. Donc, qui est une crème pour protéger des rougeurs et des tiraillements. Donc, on a le format de 40 ml qui est estimé, pardon, à 4,90€. Je vais y arriver, je bégaye depuis tout à l'heure. Ensuite, on a ce produit-là. Donc, comme vous pouvez le constater, qui est une tétine de la marque Tijex. Donc, au niveau du prix, c'est estimé. Donc, les deux sucettes sont estimées à 5,20€ dans le commerce. Et pour terminer, on a un canard de bain. Donc, en fait, c'est un canard de bain pour jouer pour l'enfant. Mais c'est aussi un canard thermomètre, donc qui change de couleur visiblement. Je sais pas s'il n'y a pas d'indication là. Donc il estime à 9,45€ et c'est un. Donc il indique que si l'eau est trop chaude ou trop froide, en fonction de la couleur. Donc il faudra lire la notice. Je ne me suis pas trop penchée dessus. Et voilà. Et enfin, il y a un espèce de petit. De petit bracelet ou collier, je ne sais pas trop quoi. Donc qui est offert avec ceci, parce que c'est de la marque Bonton. Voilà. Et donc il n'y a pas de prix estimé. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette box Baby Love. J'espère que le contenu vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!